Bon, je ne sais pas s'il va y avoir d'autres personnes, peut-être. En tout cas, je vous souhaite une bonne conférence. Je voulais quand même juste vous dire donc, que monsieur donc, a été initié à ce qu'il va vous présenter aujourd'hui par un alchimiste sculpteur. Et donc, c'est un enseignement qu'on appellerait ésotérique, c'est-à-dire qui est caché, c'est-à-dire qui... C'est vrai que nous sommes dans une période de dévoilement de tout ce qui est caché, donc ça devient accessible. Vous avez la chance de pouvoir en bénéficier aujourd'hui, donc merci à vous et bravo pour vous. Et nous avons la chance d'avoir Nicolas qui va filmer toute la conférence, donc c'est très intéressant pour monsieur et pour l'enseignement qui est dedans. Voilà, donc je vous souhaite une bonne conférence. Et je voulais aussi vous dire une dernière chose, c'est qu'aujourd'hui, en astrologie classique, nous avons donc Vénus qui est certes rétrograde, mais elle est en Lion. Donc en Lion, c'est-à-dire que c'est chaud. Ce qu'il y a, par exemple, quand on voit tous les grands incendies qu'il y a eu cet été, c'est quand même de la nature de Vénus carré Uranus en taureau. D'accord ? Et aujourd'hui, quand même, le soleil est à 21 degrés du Lion et Vénus est dessus. Donc nous allons parler des feux amour. Donc je trouve quand même la synchronicité magnifique, puisque... Il s'agit de cœur et d'amour. Voilà. Bravo. Bonjour à tous. Je remercie CIB de m'accueillir en ces lieux qui sont propices autant à l'inspiration qu'au partage. Et je l'espère entre nous à des échanges fructueux. Ce que j'essayerai de vous transmettre n'est pas facile au point de vue des mots. Ils sont trompeurs, vous savez bien, souvent, pour deviner, sentir derrière le mot ce qui veut passer, ce qui désire passer, qui est plus grand que moi. Moi, je ne suis qu'un instrument, plus ou moins accordé à cette nécessité pour nous, êtres humains, d'être nourris par les lait des étoiles, la voie lactée. On est quand même aussi des intermédiaires entre le ciel et terre, ça vous le savez. Et donc, ce que je vais vous raconter, c'est presque comme un conte. D'ailleurs, à tel point que l'astrologie telle qu'on la connaît, et qu'on l'explore actuellement avec beaucoup d'intérêt, et je dirais d'intensité, comme jamais auparavant, cette astrologie, elle se nourrit de mythologie. Si on vous parle de Mercure, Vénus, Jupiter, vous savez tous ces noms, qui sont des charges, ces noms, c'est pas dit pour rien. Ils véhiculent quelque chose, une impulsion qui continue à se dire à travers les siècles, depuis Ptolémée, même peut-être avant, les grands déluges de l'Atlantide disparus, mais dont l'esprit, dit-on, persiste. Donc vous ne croyez pas que les choses disparaissent comme ça, elles se transforment et persistent autrement, pour nous amener encore d'autres informations nécessaires à notre adaptation, parce qu'à l'époque où on vit, l'adaptation à cette ère nouvelle qu'on appelle le Verseau, le verseur d'eau, qui est un signe d'air, mais il n'y a pas de contradiction, vous verrez, est nécessaire pour nous, notre conscience, d'évoluer dans une configuration plus adaptée, plus créatrice de notre existence terrestre. Ce n'est pas parce qu'on vit une existence terrestre, un exil terrestre, comme certains le disent, on est détaché du plan des étoiles, qu'on est détaché du système solaire, qu'on est détaché ou isolé dans un cosmos froid, comme certains le pensent et le disent, dû à un hasard gigantesque qui continue à manipuler planètes et atomes à son gré. Le fameux démiurge aveugle, les anciennes légendes, qui faisait tourner les planètes autour de son doigt et les envoyait donc, explorer l'espace devant lui. Mais nous sommes un peu à cette image d'un explorateur, sauf que nous, on ne le fait pas avec des moyens surnaturels, on le fait avec notre conscience, tout simplement. Parce que la conscience humaine est capable, en puissance,
d'investiguer les mondes invisibles, les mondes lointains, les planètes, les galaxies. Elle a cette capacité, si jamais on lui laisse quand même l'opportunité d'exercer ses talents. Autrement, on reste aveugle et sourd. Et on peut, de toute façon, très bien vivre ainsi. Mais pour se mettre au niveau voulu de l'expérience de la vie qui est en train de se réaliser à travers la Terre et qui se met en harmonie avec l'ensemble de l'univers, il faut convenir que nous avons besoin d'un instrument plus accordé. Un peu comme, si vous voulez, on passerait du pianiste au violoniste ou bien au trompettiste parce que la musique qui va être jouée nécessite qu'il y ait des instruments différents. Pourquoi ? Parce que l'enrichissement est universel, même si ça concerne le particulier que nous sommes, nous, chaque jour. Et c'est vrai qu'on se particularise, qu'on s'individualise chaque jour davantage, mais au sein du tout, pas au sein d'un néant. Et alors, dans cette perspective que moi j'essaie de vous dire, avec cette astrologie de l'âme, puisqu'il s'agira de ça, je vais essayer de vous emmener, peut-être plus par l'imagination et l'évocation que des explications. Je ne suis pas tellement un être d'explication, moi. Je suis plutôt un être d'évocation et d'imagination. C'est ma fibre naturelle, ce qui n'exclut pas, évidemment, une base explicative, logique et naturelle, ça va de soi. Mais quand on aborde ces données-là, ces dimensions-là, on peut avoir un langage réducteur et comparer avec ce qu'on connaît et on diminue la valeur de ce qu'on essaye d'assimiler. Voyez ? Parce que si on fait appel à l'imagination, à quoi fait-on appel ? Aux ressources du cœur, comme disait Sibé, c'est bien dans le cœur, et les Égyptiens l'avaient compris ainsi, qu'il y a la mémoire et l'imagination qui va nous servir de tremplin pour d'éventuelles vies futures, si jamais on sait passer les caps nécessaires. Ça, c'est une autre histoire. Mais voilà, tout ça pour vous camper un peu le décor et vous dire que ce que moi j'essaie de vous transmettre, c'est cette idée des relations entre nous, les étoiles, les planètes et notre vie actuelle. Et c'est important de sentir qu'on n'est pas isolé, qu'on n'est pas sans lien réel avec ces entités célestes, planétaires, qui ont leur rôle à jouer par rapport à nous et elles par rapport au système dans lequel elles sont. On aborde la systémie de plus en plus dans l'évolution de la conscience humaine, ce n'est pas un hasard. On appelle les constellations familiales, quand on fait une exploration psychologique des archétypes qui nous fondent, ce n'est pas un hasard. Donc, autant aussi se renseigner sur ces belles constellations universelles qui entourent notre sphère terrestre. Et on a besoin de ce lait des étoiles dont je vous parlais, parce qu'on a besoin d'être nourri. Et pour que notre corps, notre vrai corps, puisse, lui, quand même bénéficier de cet afflux d'énergie pour grandir et croître. Parce qu'en ce moment, nous ne vivons que la mort. L'être humain est voué à vivre la mort et non pas vivre la vie. On ne vit pas encore la vie qu'on doit vivre. On ne vit que la mort. Il faut bien voir ça. Alors, ce n'est pas catastrophique en soi, puisque si vous dans le plan d'évolution, c'est prévu que les métamorphoses, les transformations et tout ce qu'on assiste, même dans les drames, fait partie de cette évolution. Donc il n'y a ni perte ni fracas véritable. Il y a seulement un processus immense qu'on appelle Dieu, qu'on ne sait pas comment l'appeler autrement, qui évolue aussi dans sa manifestation, qui n'est pas fixe, et fixé une fois pour toutes, par les créneaux d'une doctrine qui dit que c'est comme ça et pas autrement. Vous voyez bien. Donc je suis obligé, moi, de vous amener toutes ces notions, ces idées, parce que ça fait partie de ce véhicule ici, ça fait partie de ces effluves célestes qui, de temps en temps, nous entourent, viennent nous titiller, viennent nous murmurer, viennent éveiller en nous un écho qui est encore faible, qu'on ne comprend pas toujours, en disant « qu'est-ce que j'ai à voir avec Vénus ? Qu'est-ce que j'ai à voir avec Mars ? Qu'est-ce que j'ai à voir avec Uranus ? Que c'est cette histoire-là ? Je n'ai pas assez à faire avec la Terre et tous les problèmes que j'ai ?» Bien entendu, bien entendu. Et quelquefois, les problèmes bien terre-à-terre qu'on a sont aussi faits exprès pour pas qu'on aille trop voir derrière ce qui se passe. Hein. Donc, c'est une façon aussi d'ouvrir une porte
que de se dire, eh bien là, l'impossibilité pour moi de comprendre mes relations, mes véritables liens, mes relations avec l'ensemble de l'univers. Parce que c'est magnifique quand on peut ressentir le frisson des étoiles, quand on peut ressentir la profondeur de la nuit océanique, comme disait Victor Hugo, qui nous entoure et semble nous emmener là où on ne sait pas où on va, un peu comme cette expansion de l'univers qui nous emmène à travers des sites et des âges, dans des régions de l'espace qu'on a à découvrir. Quelle autre région de l'espace avons-nous à découvrir, notre être humain, si c'est la région de ce qu'on appelle le cœur? Et c'est pour moi que c'est fondamental, si je fais une conférence, de commencer par là, la dimension cardiaque, la dimension du cœur, qui rayonne par rapport à lui, ce qu'il enregistre comme compréhension de l'univers. Le cœur sait avant que le mental accepte. Vous pouvez constater dans votre existence, le cœur sait à l'avance, il sait, il ne peut pas dire comment, il sait, et après le cérébral décode à sa manière, parce qu'il y a le savoir, l'éducation, et puis votre manière de penser, il n'est pas exclu. Mais le cœur, il sait avant, donc il y a une intelligence dans le cœur. Les anciens égyptiens l'avaient très bien démontré à travers leurs hiéroglyphes, leurs enseignements hermétiques, en disant que dans le cœur se reflétaient les gloires de l'univers, dans le cœur se reflétait l'indicible mystère dont les initiés ne parlaient pas, mais suggéraient la présence. Donc on est toujours, si vous voulez, dans cette dimension, dans cette démarche d'oser le pas qui nous permettra d'entrer dans le monde des étoiles. Ce n'est pas Star Wars, hein, ce n'est pas non plus la guerre, la guerre des étoiles, horrible, c'est plutôt la paix des étoiles, l'esprit de la paix des étoiles, que l'humanité peut appeler, qu'elle n'appelle pas. Parce que cette paix des étoiles, elle peut libérer une énergie qui viendra pour nous élever un peu au-dessus des problèmes. Vous voyez, on ne demande pas grand-chose, on a nos problèmes, on doit y faire face, ok. Mais qu'on nous élève un peu, quoi, un petit peu, pour mieux prendre ces problèmes, mieux prendre nos questions, de telle sorte que l'intelligence du cœur s'exerce. C'est vraiment ça l'essentiel. Donc, l'astrologie de l'âme, puisque c'est sous la conférence, elle va vous parler de planètes, évidemment, comme je le fais là, mais aussi d'une intelligence créatrice qui est innée, qui est interne à ces mondes planétaires. Il y a une intelligence créatrice en Vénus, il y a une intelligence créatrice en Mars, il y a une intelligence créatrice dans la Terre, la Terre qui nous porte, on appelle ça un logos planétaire, c'est pas rien non plus, un logos. Et vous avez aussi donc ces planètes qu'on connaît depuis un certain temps et qui ont fait un peu le sujet, la matrice d'une évolution de conscience pour l'humanité que l'astrologie essaie de déchiffrer. Ah, il y a plusieurs courants d'astrologie, heureusement. L'astrologie humaniste, l'astrologie karmique, si vous connaissez, je ne sais pas, il y a peut-être des astrologues dans la salle, je ne sais pas, mais c'est intéressant de voir toutes les tentatives de recherche qui sont effectuées, qui montrent la richesse d'un contact qu'il y a eu, franchement, avec cette vérité, si vous voulez, de la conscience, qui essaye de venir à nous, qui essaye de nous titiller, qui essaye de nous soulever, de nous stimuler, à quand même s'intéresser à ce monde dit invisible, parce qu'on vient de là et on y retourne, mais pas de la même manière. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Et donc, dans ce caractère, si vous voulez, cosmique, que nous essayons d'apprendre à intégrer, bon gré malgré, on est maladroit, hein, c'est un peu comme du mal de marcher, sur la terre promise, comme on dit. Hein. Il faut bien essayer quand même de faire le pas, de se nourrir de bon miel, de bonnes lectures, de bonnes vibrations. Il n'y a rien à faire. Plus on est dans le chaos, plus on est dans la destruction actuelle, plus on a besoin de forces constructives à l'œuvre et qu'on les voit même à travers le chaos, même à travers la destruction. Ça se prie là qu'on est être humain. C'est qu'on est capable de voir à travers la destruction ce qui est en train de se créer et qu'on aide ce qui est en train de se créer afin que cette destruction ait un sens et non pas une fatalité pour nous enfoncer davantage dans un chaos qui ne donnerait aucun fruit. Vous voyez, donc c'est une alchimie, c'est une astrologie, c'est une magie. Quand je vous dis ça, je vous résume des siècles dans lesquels l'astrologie était unie à la magie, était unie également à la cabale, parce qu'il fallait parler de ça, donc c'était des notions qui couraient dans plus ou moins, dans des
monastère aussi, il faut le dire, les moines ne disent rien, mais ils ont ramassé beaucoup, beaucoup de savoirs qui ont été transmis. Voilà, quand ils allaient emmener des plantes ou des herbes à d'autres monastères, ils avaient des papyrus ou ils avaient des roses avec eux, ils s'échangeaient des choses. Voilà, c'était une époque comme ça. Et cette astrosophie dont je vous parle, qui est une astrologie de l'âme, eh bien, elle est née aussi, elle a été perpétuée, si vous voulez, à l'ombre du monastère depuis la Perse antique, depuis un lointain passé, hein. À une époque, si vous voulez, où la perception de l'être humain n'était pas arrêtée comme elle est maintenant. Vous voyez, on distinguait le monde invisible du monde visible, on le distinguait moins, c'était fluctuant, vous comprenez ? Que maintenant c'est très cadré, c'est très quadrillé, il y a l'invisible, l'invisible, les fréquences, les ondes, c'est normal. Mais à une époque ancienne, naturellement, la spontanéité nous faisait croire que ben, quand il y avait Vénus, l'étoile émergée, quand il y avait la Lune, il y avait des phases, mais on voyait à travers, on sentait à travers la Lune ou Vénus ou d'autres planètes, on sentait un regard bienveillant. Un regard bienveillant qui semblait émaner du cœur de la planète. Comme il y a un cœur bienveillant qui émane du centre de la Terre, dont on ne parle jamais, hein, du noyau terrestre. Il n'y a pas que l'atmosphère, il y a aussi le noyau. Et comme toute chose, vous avez un noyau et vous avez un cercle. Et bien souvent, le noyau, il devient le cercle futur d'un autre noyau, parce qu'il y a une correspondance. Nous-mêmes, nous sommes des noyaux, d'énergie, des noyaux spirituels. Chaque planète a son noyau spirituel. Donc on peut étudier Vénus, Uranus, Mars, Mercure, d'un point de vue, on va dire, exotérique, c'est-à-dire avec toute la configuration psychologique et symbolique que ces planètes évoquent. Et c'est normal, si on parle de Mercure, on ne parle pas de Mars. Non, Mercure, c'est le messager des dieux, tiens, la mythologie. Parle d'un messager des dieux. Est-ce que moi, dans mon horoscope, dans mon thème astral, astrologique, j'ai un messager des dieux? Ben oui, t'as Mercure qui est positionné quelque part, il fait son travail. Mais rassure-toi, il ne reste pas où il est positionné. Mercure est plus malin que nous. Il est tellement malin que Zeus a réussi à peu à rire davantage dans son palais que le sérieux qu'il affiche en général, parce que les ruses de Mercure ont permis à cet empereur, à ce tyran des Jupiter, il a permis un peu de lâcher du lest, de laisser un peu chacun respirer, parce que Mercure était là. Et tout ce que Mercure disait à Zeus, aucun autre ne pouvait lui dire, ni Dionysos, ni Mars, personne, même pas Hera, qui était la femme de Zeus. Par contre, Mercure savait y faire, pour mettre la pichenette là où il faut, pour rigoler, pour renverser une situation. Vous voyez, donc, dans votre être, ce Mercure renverse les situations, il vous renverse le regard. Il vous fait un petit croche-patte le matin pour vous dire « Attends, tu n'es pas en équilibre. » Là, tu aurais été en équilibre, moi je te fais un petit croche-patte, tu verras que tu n'es pas en équilibre. Donc redresse-toi, tu n'es pas aligné, ta colonne vertébrale est tordue. Debout, fais comme moi, tu as vu le caducé, comment il est? Non, je n'ai pas vu le caducé. Bah, le caducé d'Hermès. Va sur le net, regarde. Les deux serpents qui dansent en s'élevant jusqu'à la lumière solaire. Ça te dit quoi? Réfléchis. Ah ben là, moi, le symbole, ça ne me parle pas. Bon, ça ne te parle pas, c'est pas grave, c'est normal, t'as pas été étudié chez Harry Potter, t'as pas fait l'école des sorciers, t'as pas fait tout ce qu'il faut, donc le caducé d'Hermès, t'es en balance. Normal. Mais si tu as un peu d'intérêt pour essayer de comprendre cette histoire de caducé d'Hermès, va sur le net, trois bonnes informations. En tout cas, la polarité positive et négative s'alterne en dansant autour d'un axe vertical. C'est un peu ce que nous vivons tous les jours. Tous les jours, nous vivons ça. Vous voyez, ce n'est pas une découverte sensationnelle. Si on observe bien nos humeurs, nos tendances, nos idées, nos réflexions, nos inspirations, nos recherches, nos problèmes, et on est dans la danse des deux serpents. Et enfin, le serpent. Le serpent de l'éveil, le serpent de la sagesse, et le serpent de la peur. Et on navigue. Alors, on navigue entre ces deux serpents. De la colonne droite, qui nous montre la voie du milieu entre les extrêmes. Et c'est vrai, c'est comme le spectre solaire, quelle est la couleur qui est au milieu entre le rouge et le violet? C'est le vert.
Et on parle beaucoup de la langue verte. On parle beaucoup de l'alchimie aussi avec cette couleur du vert. C'est quand même étonnant. Vous voyez. Donc, l'axe du centre, c'est un axe qui doit grossir. La voie du milieu doit grossir. Est-ce que la voie du milieu, si elle grossit, qu'est-ce qui se passe pour les extrêmes? Les extrêmes vont être attirés par le centre et vont venir déverser dans ce centre leur propre force qui est antagoniste habituellement. Ce qui fait que le centre, le milieu, c'est le résonateur, c'est celui qui résout les conflits. C'est celui qui dit d'un opposé, vous en faites un complément. Parce que si les opposés existent, c'est qu'il y a des compléments. Mais le problème, c'est qu'on nous reste souvent dans l'opposition. Toi, tu as un point de vue, moi j'en ai un, le mien est meilleur que le tien, ou alors il va évoluer parce que toi, tu m'as l'air de connaître ton sujet, je vais quand même apprendre de toi, mais je reviendrai en bas quand même, ce qui est normal. Ah, c'est le jeu des thèses, antithèses, antithèses, synthèses, vous voyez, qu'on apprend à l'école. On oublie un peu ça d'ailleurs. Et donc, ce fait-là, c'est un fait de processus de conscience. Donc, nos planètes jouent comme ça, dans notre terme astrologique. Le Mercure, là, on a parlé du Mercure, qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est Mercure donne une fluidité à notre mental, il donne une ouverture d'esprit comme jamais on pourrait en avoir, si, évidemment, on a la clé de ce Mercure. Or, la clé du Mercure, ce n'est pas d'adorer Mercure. Vous voyez, comme l'astrolatrie. Beaucoup font de l'astrolatrie sans savoir, parce qu'ils ont une tendance à vénérer, à idolâtrer. C'est humain. On a tous idolâtrer le soleil dans notre vie. On idolâtre les étoiles, comme je vous disais au début. Ce que je vous ai dit, c'est une forme d'idolâtrie, pour finir. Même d'astrolatrie, quelque part, on peut me faire le reproche. Et je dirais, quelque part, vous n'avez pas tort. C'est vrai. Mais en même temps, c'est un début. C'est une impulsion qu'il faut voir. Donc, effectivement, je ne vais pas vénérer Vénus. Je ne vais pas vénérer le soleil. C'est des symboles, pour finir. Par contre, ce qu'il y a derrière, ce qui joue derrière, qui est spirituel, ça, c'est quelque chose qui peut m'intéresser. Et là, je peux aller voir. Mais là, ce n'est plus la planète Vénus, Uranus ou Mars habituel, c'est ce qui la meut de l'intérieur. C'est l'âme de la planète. Et c'est pour ça que je parle d'une astrologie de l'âme. Si vous voulez, c'est l'entité spirituelle cachée dans la planète qui va m'interpeller. Ce n'est plus la planète en elle-même. Et ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que nous sommes un univers double et qu'on peut avoir des relations différenciées, multiples et plus enrichissantes. Alors tout ça, c'est un peu difficile, hein, je le comprends très bien, à concevoir, à imaginer, mais il suffit que vous évoquiez, mettons, Mercure ou Saturne, et que vous gardiez un peu la mythologie, hein, le seigneur du temps, Saturne, c'est lui qui distille dans le temps les expériences dont on a besoin, c'est lui qui cadre, qui structure, il n'a pas que ce rôle-là, il a aussi un rôle concernant ce qu'on a dit dans les écrits ésotériques sur le karma, il est le gardien du karma, qu'est-ce que c'est le karma, c'est quoi, c'est un karma punitif? Pas du tout, jamais. C'est un karma de rééquilibrage, un karma d'éducation, oui, un karma initiatique, ah, c'est meilleur cela. Mais bon, alors, Saturne va venir dans votre vie comme un gardien. Il n'y a pas que Saturne. Dans l'astrosophie, qui est une astrologie de l'âme, on va parler, comme l'a dit tout à l'heure, des feux amoureux. Donc ça fait beaucoup de notions. Hein. Je comprends que ce n'est pas évident à entendre pour la première fois si jamais vous n'avez pas encore entendu parler de cette histoire de feux amoureux. Feu amour, c'est justement ce dont je vous parlais au début, ces effluves nourricières, ces forces spirituelles qui viennent en nous nourrir ce qui est immortel en nous, qui a besoin de croître. C'est vraiment la graine d'immortalité de la conscience qui a un corps qui n'est pas encore constitué véritablement, mais il est dans une situation d'être nourri pour grandir. Et c'est ce corps-là qu'on pressent en nous. On sait très bien qu'on n'est pas le corps physique. Si vous dites que vous êtes le corps, évidemment, il y en a un tombe au bout. Hein. Et là, moi, je suis le corps, je m'identifie au corps, c'est fini. Je vais tout faire par ça, à l'aune de cette identification. Je vais connaître l'autre parce qu'il a un corps. Puis s'il n'a plus de corps, s'il n'est plus là, il n'est plus là. Voilà, donc vous voyez, on est soumis à ce dictat de l'idée d'identification à un corps physique. Mais on a d'autres corps. Les anciens disaient qu'on avait 7 corps. Oubliez cette histoire de cette correspondance, cette planète. On a un corps saturnien, qui est un peu corps osseux, si vous voulez. On peut assimiler au corps osseux. Voilà. On a un corps lunaire, parce que les hormones dans l'eau nous habitent, 70% d'eau. Hein. La marée n'est pas qu'à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Hein. On a un corps jupitérien, c'est donc de l'expansion,
un souffle, quelque chose qui veut nous animer, qui veut nous emmener, l'enthousiasme juvénile, l'enthousiasme d'aller de l'avant, de se dire malgré tout j'y arriverai, pas de problème, oui j'y arriverai, j'ai l'élan jupitérien, il est là, bon, il va faire des étincelles, il ne va pas rester cloîtré comme le bon Saturne qui est né au grain, c'est normal, il se détache un peu du Saturne, vous voyez. Alors il va y avoir dans la mythologie aussi d'autres, évidemment, d'autres planètes qui vont jouer, le Soleil, par assez du Soleil, oui, on le connaît, hein, Apollon, il a pris la forme d'Apollon, il a pris la forme de Phébus, il a pris la forme de rat en Égypte. Qu'est-ce que c'est que ce rat égyptien, qui est très puissant, honoré, qui est vénéré, je parle de l'astrolatrie, on pourrait croire que c'est la même chose, que c'est un symbole, divin. Rat est le symbole divin du Créateur universel. Et donc les Égyptiens avaient besoin de se représenter ça, pas pour adorer un symbole, mais pour faire du symbole une porte d'accès à ce qui rayonne derrière. C'est toujours pareil, hein. C'est jamais la chose en elle-même qui est importante, c'est ce qu'il y a derrière qui vient visiter la chose pour nous contacter. Parce qu'il y a des filtres, vous voyez, on a tous besoin de filtres, on ne peut pas être, comme les philosophes disent, on ne peut pas être en contact avec ce qu'on appelle le réel, vous seriez foudroyé, vous seriez anéanti, tellement la puissance colossale. Donc on met des filtres pour assimiler les vertus de ce réel, puissance de ce réel. Et là, à travers l'astrologie, à travers les étoiles aussi, on a parlé du Soleil, une étoile, il ne faut pas oublier, un astre, une étoile, thermofusion, hein, c'est même pas rien. Mais ce qui peut faire une thermofusion comme fait le Soleil, personne. Hein. Et qu'est-ce qui nous démontre par là? Que plus il donne, plus il régénère. Plus il donne, plus il régénère. Le soleil qui ne donne pas, hein, le soleil donne, comme dit Laurent Boudy, le soleil donne à chacun ce qu'il lui faut, et c'est vrai. Le soleil donne, il ne fait que donner, donner, donner. Et nous, être humains, on est appelés à donner, donner aussi, on est un petit soleil. Les anciens disaient, mais ne cherchez pas des complications, vous êtes vous-même un petit soleil en devenir, qui deviendra de plus en plus grand, jusqu'à ce que vous pouvez inclure ce que vous n'incluez pas maintenant. Le soleil fait lever tout, les plantes, les animaux, les pierres précieuses, les rochers, la terre, il sommeille, il la réchauffe, il fait venir par ses rayons, comme les mains au bout des rayons, vous savez, dans les célèbres illustrations d'Aton en Égypte, on voit bien ces mains au bout des rayons qui viennent vous chercher, presque vous caresser, on pourrait dire, qui viennent en tout cas vous magnétiser. Alors, c'est les vertus du soleil, mais ça c'est les vertus physiques. Il y a un soleil intérieur, on le sait, il y a trois soleils, il y a un soleil physique, et il y a un soleil du cœur, on parle bien de ça, il faut, non, le soleil du cœur. Puis vous avez un soleil spirituel central, encore plus puissant. On se souvient d'un discernat parce qu'on n'a pas les organes de perception. Mais le soleil spirituel, le soleil central, ou le soleil spirituel, le soleil du cœur, lui, par contre, de plus en plus, fait sentir sa présence. Et ça, ça donne un immense espoir à l'humanité, parce que le soleil n'a pas fini de libérer l'énergie qui nous permet aussi de croître et de grandir. Vous voyez, c'est pas fini. L'histoire n'est pas finie. Parce qu'on est des créatures achevées, soi-disant, et qu'elles vont mourir, ou qu'on est une terre polluée, ou qu'on a ceci ou cela. On se croit pour la catastrophe totale, donc ça y est, c'est le collapsus cosmique. Va tout s'y passer, oui, bien sûr. Hein. Mais c'est pas ça. C'est qu'à chaque cycle de vie, à chaque impulsion de vie, toutes les planètes se relaient. Le système solaire ne peut pas que la planète et la Terre éclatent dans son point, ça n'a pas de sens. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Parce qu'on est solidaires, les planètes sont solidaires entre elles. Donc on va apprendre, à travers l'astrologie de l'âme, on va apprendre à sentir la dimension spirituelle des planètes et de la Terre. Ce qui a fait dire aux anciens que la Terre n'était pas comme on le pense. C'est sûr, une structure physique, une structure de pierre, de fusion, il y a beaucoup de règles, beaucoup de vie, beaucoup d'énergie sur Terre. C'est colossal ce que l'intelligence terrestre arrive à faire qu'aucun savant ne peut faire, quand même, il faut s'y aller, et ça fait des millions d'années que la Terre existe. Bon, pas oublier non plus. Alors, cette mémoire d'existence de la Terre se renouvelle, elle est liée aussi à un processus. Et donc, à ce moment-là, la spiritualité de la Terre, c'est d'engendrer, de continuer à vivre sa vie, à rayonner sa vie, et à rayonner en harmonie avec les étoiles et les planètes, puisque nous sommes dans le système solaire, nous faisons partie d'un système. Pas exclu du système. Donc, pour l'astrologie de l'âme, l'astrosophie, sagesse des astres, hein, astrosophie, la Sophia est présente, elle nous dit, t'inquiète pas, tu vas pouvoir communier intérieurement par le cœur avec une entité spirituelle qui te concerne parce qu'elle est inscrite dans ton terrain natal. Ah bon? Eh oui.
Oui, mais moi je croyais que c'était. Déjà, comprendre Vénus, l'astrologie, c'est compliqué. Si tu me parles d'une entité qui habite Vénus, ou Mars, ou Neptune, là je ne peux rien comprendre, et puis je ne sais pas où je vais. Rassure-toi, c'est ton âme qui s'exprime. C'est l'âme, l'unité de l'âme. L'unité de l'âme s'exprime en facettes, comme le diamant, qui a plusieurs facettes, c'est un même diamant. Ben, l'unité de l'âme s'exprime en plusieurs facettes. C'est tout simple, en fait, il n'y a pas. Et ces facettes, elles correspondent à la vie humaine, au karma engendré dans l'existence que chacun a. C'est-à-dire qu'en fait, il a été prévu dans le spirituel de l'âme, ce que nous allions vivre sur Terre, correspondant à ce qu'on appelle le karma, et était des bons combustibles, comme la matière première, comme du charbon, pour faire du diamant. Et donc à ce moment-là, il y a une coalescence, qu'on appelle une coalition, une union entre ces forces spirituelles et, on va dire, les forces karmiques, hein, qui existent en permanence, qui sont ce que nous choisissons d'être, de penser, qui sont nos impulsions, ce que nous faisons aux autres, qui nous revient à nous. Enfin, vous voyez, le système karmique, sans arrêt, et sans arrêt en action. Hein, ça veut dire ça, le karma, action. Et aussi réaction, c'est avant tout action. Donc on ne peut pas vivre sans agir, même si on ne fait rien en apparence. Hein, voilà. Quand des images enlevées, comme si vous êtes immobile, vous pouvez agir. Des fois, vous agissez mieux, on n'est pas immobile, qu'en étant en activité. Voilà. Donc il y a beaucoup de nuances à apporter à cette histoire d'activité et d'immobilité, comme de l'enseigne le soleil. Non, c'est une personne de soleil. Au centre, ne bouge pas, tout agit, tout hop, tout se meut selon une ordre, une harmonie incroyable. On ne comprend même pas. Ça vient. Est-ce que moi je peux vivre mon état solaire avec une harmonie pareille dans mon existence? J'aimerais bien voir ça. T'es beau ton discours, mais attends, elle revient sur Terre. Hein. Demain je dois payer une facture, je vais rencontrer le plombier, et puis aller voir la belle-mère, je ne peux plus la voir, elle ne va pas me raconter, de toute façon, il y a Vénus là, avec Mars. Vous voyez, on a le droit de dire ça, c'est normal. Voilà. Et ça, on le dit d'autant plus qu'on n'a pas les liens qu'on doit nourrir et avoir avec cette spiritualité astrale. Cette spiritualité des astres qui font partie de notre thème. Vous savez, un thème natal, c'est une projection, une relation planète entre elles, au moment où nous sommes nés, au moment où on aspire le souffle. Le bébé aspire le souffle, et il aspire dans ce souffle, il aspire le magnétisme des relations des planètes entre elles, et l'intègre en fait. Et ça continue à vibrer toute son existence, avec des fluctuations quand même, je vous rassure, c'est pas un robot, on n'est pas des robots. Donc, ce qui fait que, eh ben, on va vivre l'expérience que l'âme a décidé que l'on vit. Et oui, on ne sait pas. On ne sait pas, c'est tout. Mais on apprend à savoir au fur et à mesure que, face aux épreuves, aux difficultés, eh ben, d'un seul coup, on va pouvoir avoir la bonne attitude, on va avoir la bonne disposition manifestée, peut-être des colères, peut-être des drames, c'est vrai. Mais ce qui va s'engendrer à travers ça, c'est un plus pour notre évolution. C'est toujours un plus pour notre évolution, c'est jamais un moins. Même si on vit des drames, c'est toujours un plus. Et ça, faut longtemps, il faut vraiment comprendre avec avec le cœur, comprendre que ce que nous avons vécu, traversé, d'une cohérence incroyable, et qu'on était vraiment guidé. C'est un indice par les anges, vous voyez. Et oui, on est guidé. Alors après, ça suppose des croyances. Ils ne sont pas admises par tout le monde, ce qui est normal, quand on parle de croyance. Mais là, on parle de connaissance, ce n'est pas la même chose que des croyances. Si je connais mon soleil, comme moi, par exemple, je vous parle de l'astrosophie et des feux amour, si je parle de mon soleil, c'est le rat égyptien identifié comme tel dans l'astrosophie, quand on fait son thème natal, c'est rat. Pour d'autres, c'est un autre soleil, une autre contrée. Parce que la Terre est très riche de toutes les traditions qui ont semé des graines de spiritualité dans lesquelles nous sommes nés et allons grandir, de l'extrême-orient à l'Amérique du Sud ou du Nord, vous savez. Et cette terre qui est porteuse de ces semences spirituelles, elle a été divisée non pas en 12 secteurs, comme dans l'astrologie classique, avec les douze signes et les 12 maisons, mais en 8 climats qui ont été repérés par les sages de la Perse antique. Nous on dit, oh là là, la Terre, elle est semblable à un ange qui respire, qui agit et qui médite. Méditez que la Terre, méditez que la respiration de la Terre, sentez comment le magnétisme terrestre
interagit le magnétisme solaire, par exemple. Essayez de sentir ça. Sortez vos antennes. Ne restez pas timorés dans un à peu près psychologique. Voilà, un état mental, on dit, c'est pas possible, ça ne sert à rien, tout ça. Tu racontes des cours, ça ne sert à rien. Tu vous hypnotiser, vous dormir, quoi. Hein, voilà, sortons de cette espèce de pétrification de l'intellect qui se réjouit de ses justifications. Si on veut ouvrir l'esprit, on va contacter, voilà, ces forces spirituelles comme le soleil Ra, dont je parlais, qui lui était vénéré dans l'Égypte ancienne, parce qu'il apportait ses stimulations essentielles à ce qui a besoin de naître, a besoin de monter, a besoin de s'amplifier, a besoin de s'intensifier, et figurez-vous que le soleil Ra passe par les centres, ce qu'on appelle les fameux chakras. Chakras, c'est marrant, parce que dans les présentations de l'astrosophie, on parle de chakras comme chakra. Chakra, c'est-à-dire chaque semence de Ra, intégrée dans les joyaux karmiques, dans les joyaux qu'on appelle les centres subtils, et c'est à travers ce travail de descente de la lumière, si vous voulez, à partir de la fontanelle jusqu'en bas, que les chakras vont se nourrir, stimuler ces panneaux, plutôt se nourrir d'un magnétisme qui leur permet de se développer naturellement. Non pas d'être forcés à se développer comme on le fait actuellement, avec des techniques occultes qui risquent de nous envoyer à l'hôpital psychiatrique, c'est plutôt laisser faire, laisser être ce qui en vous est prêt, est disposé, prédisposé à naître. Laisser être ce qui est prédisposé à naître. Mais pour laisser être ce qui est disposé à être, il faut un peu le nourrir, quand même. On le nourrit au sein de la lumière de notre âme, vous voyez. On le nourrit au sein de notre considération, de notre attention à aimer ce qui en nous veut s'exprimer. Essaye de s'exprimer. Qui est là? Qui l'attend? C'est le fameux, on revient, si vous voulez, à travers tout ce que je vous dis, c'est toutes les notions qu'on connaît, on ne vous apprend rien. C'est toutes les notions du « je suis », c'est toutes les notions du « soi », du « moi », tout ça est impliqué là-dedans. Donc quand on arrive comme ça à toucher à l'essentiel, à l'influence spirituelle comme dans Ra, on peut se nourrir de cette énergie. Elle existe. Ce n'est pas seulement une croyance, parce que le bon ton de connaître Ra, ça fait partie de l'Égypte ancienne, n'est-ce pas? Ou alors, Ramsès, ok, mais ce n'est pas le but. Le but est ailleurs. Vous avez d'autres feux solaires en astrosophie que vous trouvez dans des thèmes qui sont plus liés à Amaterasu. Amaterasu, c'est un magnifique feu amour solaire du Japon. C'est une merveilleuse entité qui a un dynamisme incroyable et qui vient nourrir nos cellules. Voyez, donc toutes ces planètes dont je vous parle, ces feux amour, voyez, le feu amour, c'est l'énergie de la planète qui vient nous nourrir, on parle de ça comme ça si vous voulez, et bien elles viennent en nous pour nous aider à croître, à mûrir, à solder des karmas négatifs et à enrichir des karmas positifs. C'est une énergie qui nous aide, voilà. Et cette énergie-là est à portée de main puisqu'elle fait partie de notre ciel d'âme. C'est le ciel de notre thème astrologique classique, thème natal, c'est pas ailleurs qu'on va chercher. Ça fait partie de la conscience qu'on a. Tout est dans la conscience qu'on a. Et d'ailleurs, les anciens disaient, mais vous regardez pas les télescopes, le grand royaume infini des constellations, ce qui est normal. Et en vous, il y a un petit royaume, il y a un microcosme en vous. Cherchez la conscience à sentir en vous l'étendue de l'univers, l'étendue cosmique. Parce que la conscience a cette capacité. Mais comme je le disais tout à l'heure dans la conférence, ce n'est pas développé, c'est comme un muscle. Il faut, le muscle, il faut apprendre à travailler pour qu'il se développe, n'est-ce pas? La conscience, c'est pareil. Il n'y a pas de mystère. Donc plus on va essayer de nourrir cette conscience, plus l'espace, vous voyez, l'espace de la reconnaissance va pouvoir s'installer pour que les essences vivent. Et on manque d'espace, on ne fait pas assez attention à l'espace. On vous parle de planètes, d'atomes, on vous parle de systèmes, bon, comme j'aime le faire, du corps. Mais si on intègre la notion d'espace, à quoi on a affaire? Sachant que le vide apparent est plus important que les grains d'énergie dont nous sommes faits. Vous savez très bien l'histoire de ce vide gigantesque, des 90% de la matière qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le secret? On va le trouver celui-là, vous voyez.
Alors peut-être que ça nous emmène vers ce secret d'une vie plus abondante, qui ne reste pas restreinte à des formules, même si elles sont valables, hein, mais elles ne se contentent pas dans des formules mathématiques ou géométriques. Il y a un effet qui est beaucoup plus profond. Et ça, on nous invite à le découvrir. Et les feux amoureux de l'astrosophie, à partir d'un thème natal classique, vous permettent de découvrir cet univers. C'est-à-dire, les moteurs célestes de la destinée sont en toi. Les moteurs célestes de la destinée sont en toi. Mais ces moteurs, c'est des impulsions, des élans que tu vas ressentir, parce qu'à un certain moment, tu as envie de t'intéresser à une chose, à une autre, tu ne sais pas pourquoi, ou avoir des synchronicités incroyables, ou tu te dis, ah ben j'ai lu un bouquin là, ça parle du cosmos là, c'est magnifique, on a l'impression qu'on a affaire à une entité vivante, et non pas à une mécanique superbe, qui est belle évidemment, mais vraiment une entité. Moi, j'aime bien appréhender l'univers, appréhender les êtres humains comme des entités vivantes. Voilà, c'est ça, ou alors, c'est pas la peine d'exister. On veut les uns et les autres échanger le vivant, être dans le vivant. Et c'est ça qu'on appelle, si vous voulez, cette astrosophie des flamours, c'est vraiment d'entrer dans ce vivant de nous-mêmes, qu'on pressent. On pressent ça d'une certaine façon, vous voyez. Et c'est, on le pressent à certains moments, l'intuition, par les rêves, on le pressent par notre intérêt à nous explorer, parce qu'on veut se découvrir, homme, connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est comme inscrit au fronton de Delphes en Grèce antique, c'est pas une parole en l'air tout de même, c'est une parole qui a été laissée par les sages, qui résonne à travers les siècles. C'est une parole qui résonne à travers les siècles, et qui est encore d'actualité, parce que même Hubert Reeves parle de poussière d'étoiles, par des étoiles dont nous sommes faits, ça va compléter, un résultat d'étoiles. Voilà, vous voyez, donc, il y a l'aspect scientifique qui est honorable, normal, et puis un aspect spirituel, on va dire, dynamique, créateur, qu'il faut aussi investir, parce qu'on n'est pas complet autrement. On n'est pas complet, on boite. Et à ce moment-là, on va se dire, ouais, d'accord, alors, tu m'as dit qu'il y a un thème d'astrologie, tu m'as dit qu'il y a des feux amoureux avec les planètes, ok, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Ça va me servir à quoi? Voilà, hein, tu as parlé de Ra, d'Amaterasu, et sur d'autres entités, à travers les planètes du système solaire, hein, bien sûr, ils prennent d'autres noms, liés à des traditions qui sont reconnues, comme Ra, c'est la tradition égyptienne, Amaterasu, c'est la tradition nippone, avec tout le shintoïsme qu'il y a derrière, parce qu'il faut voir que aussi, si je parle de feu amour, et de ces énergies spirituelles, c'est pas né du néant, c'est rattaché à l'ancienne tradition, qui ont éclosé et qui ont manifesté le meilleur d'elles-mêmes à certains moments. C'est-à-dire que, effectivement, en Égypte, vous avez le soleil Ra, mais vous avez aussi la Vénus d'Oabénou. D'Oabénou, c'est le Bénou. Le Bénou, c'est l'héros cendré. Le Bénou, c'est le premier animal apparu sur Terre au moment de la création, quand la pyramide n'était pas encore faite, qu'on a cherché l'origine de l'Égypte. Il ne s'appelle pas l'Égypte, hein, c'est les Grecs qui ont appelé ça l'Égypte. Ça s'appelait Kemp, Alkemp. Donc il fallait chercher, il fallait trouver quelle était à l'origine voilà, ce dieu endormi à Toum dans les eaux de Loun. Vous imaginez Loun, vous savez, les eaux primordiales, partout les écritures en parlent, hein, et un dieu endormi dans les eaux primordiales, qui s'auto-engendre lui-même. Quand il s'auto-engendre lui-même, il s'éveille. C'est le dieu qui est et à la fois n'est pas. Ça veut dire des choses, hein. On est et à la fois on n'est pas. On vit ça nous aussi, hein, je peux pas. On est, mais à la fin, on n'est pas. Et ce dieu-là, au moment où il se réveille, eh bien, il crée un tertre qui va avoir plus tard la forme d'une pyramide. Les Égyptiens concevaient la pyramide comme l'émergence du dieu des eaux profondes. Et donc, voilà, c'est plutôt le Tomera, hein, c'est-à-dire c'est la terre d'amour. Tomera, c'est l'amour en ancien Égypte, en hiéroglyphe. Ça veut dire amour, c'est la terre d'amour, vous voyez? Rien. C'est une pyramide, c'est une terre d'amour, hein, c'est une pyramide, un tombeau. C'est une histoire de fou, ça. Tombeau, c'est pas ce qu'on pense, c'est les égyptologues occidentaux qui ont traduit ça comme ça. Mais si on rentre dans ce secret, si vous voulez, de vestiges antiques de l'Égypte, si on rentre dans la philosophie, dans la mentalité, parce que ça, évidemment, il faut pouvoir entrer dans une mentalité d'un autre âge. Ils ne parlent plus pour nous que de manière très réductrice parce qu'on le traduit à l'aune de nos connaissances. On ne peut pas faire autrement, évidemment. Mais on peut être appelé aussi, interpellé, comme en disant aussi en livre, cette façon d'être comme ça, là, en présentation, qu'est-ce que c'est que ce geste, hein?
Si je vous fais ça, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? C'est le pas. C'est le fameux cas égyptien. Hein, c'est comme ça qu'il est tracé au-dessus de la tête, d'ailleurs. Donc, c'est-à-dire qu'on peut visualiser au-dessus de sa tête. Et quand on fait ce geste-là, on met en énergie notre individualité. On remet en mouvement notre individualité qui a tendance à s'endormir dans l'inertie. Vous voyez, dans l'inertie des formes de la nature, ce qui est normal. Et dès qu'on fait ça, on commence à éveiller quelque chose. C'est tout simple, un geste très simple. Le matin, vous réveillant, vous faites ça, vous rigolez, hein, c'est amusant quelque part, c'est pas compliqué, c'est comme un yoga. Il y a un yoga égyptien d'ailleurs, qui avait été conçu par Bacan. Donc vous avez ce style, cette image-là, qui est très étonnante, vous visualisez aussi au-dessus de votre tête, vous voyez, vous tenez ça, vous êtes debout, vous tenez ça comme ça, voilà. Parce qu'il faut que les pieds soient un, la nuque soit bien positionnée, ouais, il faut un bon positionnement, chercher l'axe, vous voyez, et vous laissez comme ça un petit moment. Vous allez voir comment en vous s'éveille le sens d'une individualisation créatrice, pas quelque chose de subi parce que vous devez exister. Par un décret divin, un connaisseur. Dieu m'a dit qu'il faut exister. Ah bon? Oui, oui. Autrement, qu'est-ce qui se passe? Ben, je ne sais pas, il y a le néant. Putain, hein. Non. Vous êtes créateur vous-même. Le Dieu, c'est vous. C'est vous, le Dieu. Le Dieu créateur. Et c'est d'autres. Vous l'êtes. Vous comprenez? Donc, la gestuelle vous permet de retrouver les accents divins de votre corps physique et de votre corps spirituel. C'est ce qu'enseignait l'Égypte. C'est ce qu'enseignait l'Égypte. Dans les écoles, on a dit de mystère. Bon, je parle de l'Égypte parce que je connais bien, je peux parler de l'Inde aussi. Hein. Mais bon, je parlais de l'Égypte parce que je connais mieux ça, qu'à travers les femmes, je peux mieux vous faire passer des messages, et qu'à travers moi ça passe, hein, en ce moment. Ce qui fait que ce Bénou, là, je vous parle de Bénou, qui est la Vénus, c'est mon cendrier, qui est l'oiseau. Et l'oiseau a une importance capitale, c'est pas les représentations égyptiennes. On représente un oiseau sur la momie, hein, ou sur le cercueil, j'ai déjà vu ça. Et donc c'est le Ba. Voilà. En Égypte ancienne, l'âme s'écrit Ba, et le cœur Ab. Vous voyez, c'est ça qui est bien. Vous avez... Alors, je vais faire un cercle ici. Tâchez de faire un cercle qui soit circulaire. Là, c'est ce que je peux dire. Et là, vous avez le monde du Noun, le Noun, les eaux primordiales, lequel est endormi le Dieu à tout. Celui qui existe et n'existe pas. Là, vous avez le monde terrestre, au complexe de Gèbre. Bien. Ouais. Et là, vous avez un intermonde. Et l'intermonde, c'est toujours là que ce parc qu'il se passe des changements et des choses intéressantes. Là aussi, c'est intéressant. Là aussi. Mais là, c'est le mystère qui s'engendre lui-même dans notre conscience. Et ce mystère qui s'engendre dans notre conscience veut être connu. Parce qu'il va tellement nous apporter que s'il nous reste endormi, ben il se repart dans le nous pour se dissoudre. Donc ici, il y aura l'œil. Vous voyez ? C'est l'œil. Voilà. L'œil. C'est très important en Égypte. Et c'est dans cet œil que les dieux se meuvent. Les dieux se meuvent dans cet œil. C'est par l'œil que les dieux sont créés. Et c'est par notre œil, dans lequel je vous laisse chercher, c'est par l'œil aussi que nous créons, que nous dirigeons l'énergie. C'est l'œil qui dirige l'énergie. Il y a trois choses importantes à savoir dans cette conférence, finalement. La première clé, c'est ça. Tout ce que je vous dis, vous ne le comprenez pas si vous n'appliquez pas la première clé qui est l'énergie suit la pensée. L'énergie suit la pensée. Toujours l'énergie suit la pensée. Quoi que vous pensiez, l'énergie suit derrière. Évidemment, quelle énergie pour quelle pensée, vous comprenez? Après, c'est à chacun de tisser les fils de sa destinée. Hein. Mais selon la qualité de votre pensée, tel type d'énergie est associé. Donc, tel effet, fatalement. La pensée étant le plus grand pouvoir créateur d'un être humain. Ok?
qui s'en servent mal, c'est sûr. Mais une partie du pouvoir de la pensée n'est pas donnée. Et heureusement, pour moi, ça sera encore plus catastrophique. Néanmoins, une partie de ce pouvoir de la pensée sera un jour libérée pour l'humanité, quand elle aura atteint le degré voulu de conscience permettant l'usage approprié de la pensée créatrice. C'est pour ça que j'ai beaucoup de livres qui sortent depuis 40 ans sur les vertus de, soi-disant, la pensée créatrice. Alors, on s'exerce, il y a des résultats, il n'y a pas de doute, il y a des gens qui ont vraiment fait des choses remarquables. Mais on est à peu près au quart de ce que peut être cette puissance de la pensée. Parce que c'est une puissance divine, la pensée. Vous voyez, ce n'est pas une puissance humaine, c'est une puissance divine, mais dont on a reçu une quote-part adaptée à notre évolution. Mais plus on va travailler dans le sens, si vous voulez, de se devenir dont je parle, plus on va être soutenu par une philosophie et la méditation, et bien plus cette qualité de pensée va pouvoir éveiller ses ailes de l'accomplissement, comme on dit, ta pensée est nantie des ailes de l'accomplissement, tu pourras ainsi voguer sur les ondes de l'infini et te rapprocher du divin qui t'a engendré. Alors, c'est une belle formule, hein, c'est joli, mais c'est une vérité cachée, c'est une vérité qu'on apprend petit à petit à assimiler, bon gré mal gré, parce qu'on est embarqué. Vous savez, la Terre, c'est un vaisseau. On est en suspension là, dans l'univers, dans l'espace. Là. La Terre est en suspension, il ne faut jamais l'oublier. Nous sommes à 100 000 km/h, je crois, si ma mémoire est bonne à peu près. Vous vous rendez compte? Donc, nous sommes bien dans un vaisseau. Nous sommes bien dans un vaisseau qui a son espace à traverser, lequel on apprend à découvrir. Chaque jour, on croit que les jours sont les mêmes. Erreur! Grande erreur! Déjà, les jours ont été connotés avec l'astrologie. Dimanche, soleil, lundi, lune, mardi, mars, mercredi, mercure. Jeudi, Jupiter, vendredi, Vénus, samedi, Saturne. Bon, est-ce que c'est l'ordre d'avant les choses? Pas sûr, hein. Mais enfin bon, c'est l'ordre-là qu'on utilise. Ben c'est vrai, le dimanche, on ne se sent pas pareil que le lundi. Pas parce qu'on travaille, hein, le lundi. Non, autre chose. Si vous êtes attentif chaque jour, il y a une vibration qui n'est pas la même. Le mardi n'est pas le mercredi n'est pas le jeudi. C'est pas rien cette histoire. Donc, ce qui fait que ce qu'on fait le mardi et qu'on ne fait pas le mercredi, ça a des conséquences. Si je fais quelque chose que je dois faire le mercredi, que je fais le mardi, t'en parler. Il faut que je comprenne que le jour dans lequel je dois faire quelque chose d'important soit adapté à la vibration. Alors, donc, on a dit, si vous voulez, être dans le bénéfique, dans mon avis de banquier, de faire un prêt, voilà, convaincre votre banquier, si vous voulez faire un grand repas, vous prenez une boutique, jupitérien, pour nature, c'est un peu simpliste, hein, je vous l'avoue. Mais c'est quand même un écho, c'est un écho un peu affaibli, mais d'une valeur réelle, d'une énergie réelle. Et plus on va travailler avec ce domaine des énergies et des phéromones, plus on va pouvoir sentir ces relations. Voyez. Alors, je parlais tout à l'heure de rat, de doigt bénou, du héron cendré, symbole du cœur, de la régénération, immuable, éternel, le héron s'engendre lui-même. Ce qu'a fait dire aux Grecs, mais c'est le phénix, votre héron, c'est le phénix qui s'engendre lui-même. Heureux celui qui a un phénix d'amour. Et il y a des phénix d'amour. Ah oui, doigt bénou en astrosophie est un phénix d'amour. Et quand on sollicite, comme c'est mon cas bien souvent, bah, ça m'empêche d'entrer dans les marées sombres vous savez, du marasme, et puis tout ce qui peut m'emporter vers l'espèce de néant qu'on connaît tous, hein, toute cette expérience. Hein. Si je grave, ben, quoi, mais nous, en ce moment, je ne suis pas dans mes baskets, je ne suis pas tranquille, en moi ça foigne, et puis je ne suis pas bien. Est-ce que tu peux venir là maintenant m'apporter une part de ton phénix d'amour? Ben, il sera content, hein, de venir. Il ne demande que ça, lui. Les feux amour ne demandent que ça pour intervenir dans notre vie. C'est qu'on les sollicite, parce qu'on leur rend service en les sollicitant. Vous voyez? Du fait qu'on les fait sortir de leur mutisme, qu'on les fait sortir de leur cachette, eh bien, ils sont contents de pouvoir se manifester. Voilà. Donc, c'est un peu comme les anges, hein, quand les chrétiens priaient les anges
bon, comme ça se faisait dans le temps, ça se fait encore maintenant, je me demande, c'était pareil, on permettait à ces êtres invisibles de se manifester. Voilà. Et même si on n'y croyait pas beaucoup, après tout, pourquoi pas, parce que ça coûte quand même. Bon, voilà. Et bien, dans les feux amour, vous avez le même système, vous faites venir Borinou, et il va venir en vous, vous inspirer un élan d'amour, comme si ça revenait de profondeur. C'est même pas d'où ça vient, c'est lui qui crée cet élan d'amour à partir de votre cendre, de votre cendre qui est froide maintenant parce que vous n'êtes pas en état d'amour avec vous-même ni avec les autres, donc vous êtes dans un état cendreux. D'où l'histoire, nous avons cendré. Bon, c'est moi qui dis ça, je rigole un peu que ça. Mais en fait, voilà, ça va se passer comme ça. Et donc, l'élan va revenir pour vous. Ah, remettre en évolution d'amour pour vous avant tout, pas de façon égoïste, vous avez le droit d'être heureux dans l'amour de vous-même tout de même. C'est la moindre des choses que d'être en amour avec soi. C'est qu'on va, si on dit, ah ben t'es narcissique, t'es égoïste, t'es orgueilleux, tu penses qu'à toi, ah, stop tout ça. Je vais essayer de venir, mais non, revenons, pas simple, j'ai le droit d'aimer qui je suis. Je ne sais pas comment m'y prendre, c'est vrai. Qui peut m'aider dans tes feux amour, ta Dobinou, les fera. Pour d'autres, ça sera Rosemerta. Voilà, Rosemerta est une entité celte dont on dit qu'elle fait pousser une fleur sur le fumier. Elle fait pousser des fleurs dans les ruines. Elle fait pousser de la beauté là où il y a de la laideur. C'est Rosemerta. Ah ben, t'as Rosemerta dans ton thème, toi ? Oui. Oh, ben ça. C'est intéressant parce que, dis donc, tu as dû passer par des moments de destruction qui t'ont vraiment affligé. Et la fleur était là pourtant. Tu as senti son parfum. Ah non, bah oui, tu ne pouvais pas. Tu étais tellement plongé dans cette histoire de chagrin qui est normal. Tu n'as pas senti le parfum. Il était là, même dans ton chagrin de parfum. Là. Donc, ça, le parfum vient de Rosemerta. Ah, Rosemerta. Donc, invoquer Rosemerta. Ou ça peut être Xochiquetzal. Qui coûte ça, une Vénus des Aztèques, d'Amérique centrale, qui est la joie de vivre, la gaieté incarnée. Des fois, vous voyez des gens comme ça que vous rencontrez, ils sont toujours gays, une espèce de gaieté naïve, incroyable. Ils ont toujours le sourire, ils ont toujours un peu l'élan. C'est quelque chose qui est en eux, ça vibre, c'est toujours là, même quand ils ne sont pas bien, ils sont. Probablement qu'ils ont un accord avec cette fameuse Xochiquetzal dont je vous parle, qui est le feu amour vénusien de l'Amérique centrale. Mais vous pouvez aussi avoir du côté du Tibet, Tita, qui est une sagesse de compassion, ou bien d'autres feux amour, du Tibet ou de l'Inde. Tout dépend comment dans votre système tout ça est organisé. Par rapport au cercle zodiacal. Vous savez, il y a un terme astrologique, c'est un cercle. Moi, je ne vais pas vous dessiner ça, je suis un mauvais dessinateur, en plus, c'est plutôt un œuf, mon truc. En plus, j'ai une mauvaise vue. Mais c'est pour dire que l'œuf, c'est très bien d'ailleurs. Comme ça, on est tous d'un œuf. C'est très bien. C'est neuf en même temps, c'est jamais. Alors, dans cette disposition, vous avez 8 secteurs. Votre thème astrologique, normalement, se divise en 8. Voilà. Ah, c'est la 8, hein. Si. Petit problème de yeux, excusez-moi. Et vous prenez votre thème astrologique classique, qui lui a 12 divisions, normal. Donc, vous pouvez s'imaginer qu'il y a 12 divisions ici autour, un cercle plus grand. Voilà, 12 divisions. Vous connaissez les 12 signes de zodiaque quand même, je suppose que vous avez une idée là-dessus. Bon. Et vous avez vos planètes situées par rapport à votre thème. Bon, par exemple, j'ai un soleil voilà, qui se situe dans la région, on va dire, de la Milite, de Nil, voyez, Milite. Là, j'ai mon soleil. Et j'ai Vénus, comme parlait tout à l'heure, ciblée. Mais j'ai aussi Uranus. Moi, ils se sont dépêchés même dans le même secteur. Ils se sont tous accourus pour être là ensemble. Ils avaient quelque chose à se dire aussi, eux. Hein. Pas que moi. Hein. Il faut que les planètes s'entretiennent entre elles. Hein. Enfin, besoin de paix aussi. Hein. Bon, vous voyez ce que je veux dire.
mais quand même ses caractéristiques. Et donc, dans cette région-là, Ninit, consacrée à l'Égypte, à Ninit, le Nil, vous voyez, c'est encore un nom de l'île, Ninit, parce que c'est dans la géomancie terrestre. Ça a été conçu par le sculpteur alchimiste Klotz Barba, qui fut mon formateur. Ils ont repéré, ce que, si vous voulez, cette spiritualité égyptienne, par quoi elle était fondée. Les allusions du Nil, le débordement, la haute et basse Égypte, enfin vous voyez, toute cette symbolique, la géographie de l'Égypte, qui est le corps d'Osiris. Vous savez, quand même, Osiris est puissant là-bas. Donc, et moi je me trouve avec trois planètes, le Soleil, comme c'est rare. Ma Vénus est, comme je disais, Doua Bénou. Le Doua, c'est la région invisible, c'est la région spirituelle. Bénou, c'est le Bénou. C'est très joli, beau Bénou. On a l'impression que c'est béni, oui, Bénou, Bénou. Et c'est le héros cendré dans l'Égypte antique. Et un héros cendré, il est placé dans le cœur. C'est là qu'il s'immortalise. Donc on a un cœur qui immortalise quelque chose qui va nous immortaliser. Vous voyez le système? Et donc, Uranus et Atum, je parle du dieu primordial tout à l'heure, donc je vois, j'ai trois feux là, amour, parce que mes trois planètes sont dans le secteur. Mais j'ai une lune ailleurs, hein, donc j'ai ma lune, je ne sais pas qu'elle est là, on va dire. Et là, le secteur là, c'est plus le même que celui-là, c'est défini par l'astrosophie, on va appeler des climats d'âme, des contrées d'âme. Et là, c'est plutôt la Celtie, les sectes, la tradition du Graal, la superbe tradition du Graal. Et là, ma lune, c'est Caridouen. Caridouen, c'est la déesse aux mille noms, la Dea Myrionima. C'est celle qui a le gros chaudron, et qui, dans ce chaudron, si vous voulez, met des herbes et commence à chauffer la matière pour que notre émotionnel se sublimise. Oui. En fait, c'est une prêtresse au chaudron qui essaye, avec ses moyens, d'élever l'émotionnel en nous qui a tendance à être dans les baskets. Oui, c'est vrai. Donc il est là, l'émotionnel, on est d'accord. Hein, il peut tourner en rond longtemps. Oui, dans les méandres d'intestin. Vous voyez ce que je dis? Bon. Mais c'est. Alors, Caridouen, quand j'ai aussi des droits émotionnels sérieux, je le vois et je lui dis, mais non, fais plus ton travail, parce que moi là, zéro. Là, moi, hein, je ne peux plus. Je fais tout ce que je pouvais, donc moi je le crois. Permets-moi de le croire, si je suis là, je peux faire appel à toi. Ouais, ok. Et donc, je demande à Caridouen d'intervenir pour sublimer la vapeur émotionnelle. Pour que cette vapeur émotionnelle se soulage du plomb, c'est de la chimie, du plomb qui est dans mon émotionnel qui a tendance à me mettre dans les baskets. Ce que tout le monde vit. Hein, un émotionnel mutable. Hein. On n'a pas un émotionnel stable, par les grands singes, parce que l'émotionnel l'a transmuté. Mais déjà, elle va agir comme pour transmuter toute l'eau qu'il y a d'émotionnel en moi. Et ça fait partie de cette contrée qu'on appelle la Celtie, qui est liée au Graal, la lumière du Graal. C'est toute l'aventure d'épopée de Lancelot, d'Arthur, vous voyez, toutes ces légendes, toutes ces féeries incroyables. Et les feux amours font référence à ça. C'est pour ça que c'est une richesse extraordinaire quand vous entrez dans ce domaine, parce que vous n'êtes pas du tout perdu. Parce que tout ceci correspond bien à qui vous êtes. Ce n'est pas parce que vous vous intéressez à Caridouen, à Atum, et là je peux vous parler de Mars par-dessus le marché, qui lui est lié à Indra en Inde. Alors j'ai un truc, Indra en Inde, Indra, la foudre. Qu'est-ce qu'il vient faire ici, hein? Alors non seulement il y a Caridouen qui est la lune, il y a Mars qui est la foudre. Alors la foudre de Mars en Indra, bonjour, c'est quelque chose qui réveille profondément en soi l'énergie divine qui se trouve un peu, si vous voulez, mis à l'écart. Donc Indra, il a le rôle de stimuler l'énergie divine des atomes. Des atomes. Mais évidemment, invoquer Indra n'est pas sans conséquence, il faut faire attention, il ne foudra pas lui-même. Donc on présente Indra, lui, va te permettre de combattre ton inertie habituelle, c'est-à-dire celle symbolisée par le serpent qui, à travers ses anneaux, te serre pour t'immobiliser là où que tu sois, et toi t'étouffes. Putain, je vais faire pour m'en sortir, bon sang. Appelle Indra, la foudre. Il n'y a que lui qui peut. Parce que dans mon thème, c'est ça. Dans mon thème à moi. Mais vous pouvez très bien avoir un Mars qui est Charivar. Ou un Mars qui est dans d'autres configurations spirituelles que l'astrosophie décèle pour vous, qui correspondent à votre âme, encore une fois.
Hein, ça correspond à vous, ce n'est pas extérieur à vous. Donc effectivement, il peut y avoir d'autres tonalités, on va dire, de ce Mars, avec des fins-amour reliées, qui vont permettre de faire votre alchimie. Le but des fins-amour, le but de l'astrologie spirituelle, le but de la conférence dont je vous parle ici, c'est de faire une alchimie directe en vous. Il n'y a pas besoin d'un laboratoire, on est notre propre laboratoire, le corps est notre laboratoire, les pensées sont notre laboratoire, les émotions sont notre laboratoire, vous voyez. Donc quand on se fait une discipline de vie, on cherche à faire un beau laboratoire, hein, avoir une hygiène, avoir des pensées pures, à essayer de ne pas faire de mal aux autres, vous voyez, tout ça. Bon, on le sait tout ça quand même. On essaye de le faire, tant qu'on peut, on essaye. On fait ce qu'on a. Et on nous apporte une connaissance en disant, mais t'es pas seul. Ta tâche est lourde, ton fardeau est lourd, tu pèses ton fardeau. Alors on va t'aider un peu là, à te soulager, pour que tu vois que le fardeau, c'est pas un fardeau. C'est une résistance qui permet à ta lumière de jaillir. Et toi, tu l'as conçu comme un fardeau. C'est normal, on conçoit comme un fardeau. C'est une résistance pour ta lumière intérieure. Donc on va revenir à cette nécessité de lumière intérieure avec les feux amour, vous voyez, ces feux-lumière. Alors feu amour, le feu, parce que c'est l'élément subtil, omnipénétrant, qui a un rôle à jouer dans l'évolution. On est rentré dans l'époque du feu, soi-disant, après certains grands sages, et ça va s'intensifier, parce qu'il y a besoin de transmuter beaucoup de choses que l'humanité n'a pas encore transmutées. Mais avec amour, pas flagellant. Hein, c'est quoi l'amour dont on parle là? Vous voyez bien que ce n'est pas l'amour naïf, ce n'est pas non plus l'amour, la notion d'amour, elle va être réévaluée, elle va être rehaussée à son statut divin. C'est ce qui attend l'humanité, c'est qu'elle puisse épouser les ondes d'amour. Les ondes d'amour, c'est ce qui nous soulage, c'est ce qui nous guérit. Hein, rappelez-vous de Saint Paul, comme il en parle tout de même. Il n'y a pas que lui, hein, dans les grands saints de l'Inde, l'amour c'est le centre de tout. C'est le centre du tout, mais l'amour n'est pas émotionnel. L'amour, ce n'est pas l'estimative de soi par rapport aux autres. L'amour, ce n'est pas une estimation, ce n'est pas une vue de l'esprit. L'amour, c'est une énergie qui est très puissante et qui se distille peu parce qu'elle entraîne de grands changements. Et que nous, on n'est pas encore prêts à épouser ces grands changements, sous peine de s'auto-annuler. Alors l'amour est une pédagogie qui va s'exercer pour nous permettre, encore une fois, de grandir. Et on a besoin de grandir, c'est vraiment ça, hein, qui est important. Et l'astrosophie, les femmes, l'âme, hein, je parlais d'âme tout à l'heure, c'est une notion qui commence à parvenir en force actuellement, pas qu'à la science, et peut-être même pour cause de la science. Je n'ai pas dit qu'un jour les scientifiques ne prouvent pas l'existence de l'âme, c'est pas impossible, c'est pas déjà fait. Et d'abord, ce qu'on appelle l'âme, c'est quoi, hein? C'est le médium de lumière qui pénètre tout, c'est vraiment cette plasticité de lumière qui fait qu'on n'est jamais perdu, que jamais vous ne pourrez être perdu, nulle part, même pas après votre trépas. Hein, vous ne serez pas perdu après votre trépas, la lumière est là, elle est là, elle se libère au contraire. Hein, c'est comme une fusion atomique, vous voyez. Et tout ça est en nous, enclos en nous. Donc on va aller vers cette dimension de feu-lumière, de feu-amour, avec des entités spirituelles accordées à notre existence, j'insiste là-dessus, qui fait qu'on sait où on va. C'est-à-dire que si moi j'ai Indra, si j'ai Kariluen, si j'ai les feux amour, comme là je vous ai dit, avec Atum, Ra, Dominou, si j'ai encore Chongdi, qui est un grand Jupiter de la Chine, et je pourrais vous parler aussi d'Iram, enfin, Iram, que j'ai aussi dans mes feux, et surtout Péri. Péri, c'est un très vieux feu amour de la Perse antique, et qui me donne la capacité de rentrer en communication avec les petits peuples de la nature. Si vous voulez, avec ce qu'on appelle les petits peuples, vous voyez, les créatures naturelles. Voilà. Et j'ai ce amour qui me permet de faire quelque chose avec eux. Je n'utilise pas beaucoup, il faut le dire. Mais il est là. Il est là. Et j'ai aussi, dans d'autres domaines, j'ai aussi Xi Wang Mu, c'est un amour très spécial, dont même encore moi, je ne comprends pas tout. En fait, j'ai accès aussi à des trésors que je n'ai pas encore fini de comprendre, vous voyez, parce que c'est assez profond. C'est pas que ce soit incompréhensible, ça peut paraître. Mais il y a des moments où on est plus attentif à ce qu'on va découvrir qu'à d'autres. C'est ça qui est important. Et les feux amour, on a 10 feux amour dans votre tête. Je ne sais pas si vous voyez, 10 feux amour, parce qu'il y a 10 planètes. Hein. Mars, Neptune, Jupiter, Lune,
Oui, tout ça, ça fait 10, et chaque planète a son fin amour dans votre thème à vous. Et vous avez au milieu ce qu'on appelle le Graal. Voilà, je parlais du Graal, ça serait la fin de la conférence. Au milieu, vous avez le Graal. Le Graal, le fin du Graal. Vous savez chercher son Graal. Qu'est-ce que c'est de chercher son Graal? Peut-être qu'on ne peut pas vivre, on ne trouve pas son Graal. On ne se sent pas bien. Vous savez, les routes arthuriennes, hein, c'est considérable. C'est les chevaliers, la terre se meurt, le roi se meurt. Il n'y a plus de fruits comme Déméter, hein, la fille Déméter, la mythologie. Elle a perdu sa fille Déméter, Corée, et Perséphone. Donc, elle ne veut plus travailler, donc elle ne sert à même plus rien. La terre est maudite, vous voyez. Le Graal, c'est pareil, je ne trouve pas mon Graal. C'est comme si j'étais stérile. C'est comme si je ne produisais rien. C'est comme si, c'est une catastrophe réelle, ça, c'est pas imaginaire, hein. On le vit, ça. Et si je ne trouve pas mon Graal, qu'est-ce qui m'arrive? Et l'époque arthurienne dit, les chevaliers partent à la quête de Graal. Ils savent pas où ils vont. Mais ils sont mûs par cette quête. Et automatiquement, va intervenir sur leur route des indications. Ils ne sont pas perdus pour ça. Mais ils ont accepté de faire cette quête. Et à ce moment-là, les choses vont se disposer pour eux, afin qu'ils trouvent ce Graal. Et pour nous, il est dit que le Graal, en astrosophie, c'est ce qui orchestre, voyez, l'ensemble de vos 10 feux. C'est-à-dire qu'en fait, le Graal, c'est ce qui donne la formule d'orchestration, la formule musicale de vos 10 instruments. Parce qu'en fait, on peut appeler ça une analogie. L'analogie, c'est très important pour comprendre les choses. J'ai 10 instruments. Mais quelle musique je jouais? La musique que je dois jouer vient du Graal. C'est lui qui donne la partition aux 10 feux amoureux qui sont les 10 musiciens pour qu'ils jouent ensemble. Et le Graal se révèle comme ça. Donc pour moi, un mortel, un créature, écouter la musique du Graal, c'est comme écouter la musique des sphères chez Pythagore. Vous voyez, c'est comme écouter la musique du soleil chez les Mayas avec le Quetzalcoatl. Grand oiseau serpent ailé qui faisait entendre la musique du soleil à tous ceux qui venaient vénérer. Et ce grand serpent ailé, le Quetzalcoatl, dit-on, dansait sur les pyramides mayas. Ah oui, il apparaissait et il disparaissait. On a des auteurs anciens comme Jean Blic qui faisaient apparaître les dieux sidéraux et les faisaient ensuite disparaître. Et oui, on faisait apparaître les dieux dans le temps, les dieux des planètes. Donc il pourrait y avoir une apparition, vous voyez, une apparition dans un espace-temps donné, approprié évidemment, permettant un contact. Mais ce n'était pas obligé, ce n'était pas là une obligation, ce n'était pas là une nécessité, c'était une possibilité. L'essentiel en fait, c'est que ces feux amours, on fait le lien, ils apparaissent en vous, ils sont présents en vous. Après vous pouvez les peindre, vous pouvez, si vous avez des visions, si vous êtes peintre, musicien, vous traduisez l'expérience à travers un art. Ça peut être la poésie, l'écriture, vous voyez. Mais c'est en vous, ça se manifeste avant tout. Parce que c'est là que c'est le mieux. C'est l'intime de vous. C'est l'intime, ça. C'est pas quelque chose de... Voilà. C'est pour dire qu'on retourne aussi au soi intime, qui est en nous-mêmes. Voilà l'astrosophie, les feux amoureux, une astrologie de l'âme, et les planètes, ce n'est pas que des planètes, qui gardent des entités qui nous connaissent, qui peuvent être en contact avec nous simplement. Ce n'est pas du channeling, ce n'est pas du spiritisme, c'est autre chose. Hein, parce que ça appartient à une atmosphère que le père Tage de Chardin appelait la noosphère. C'est l'intermonde, c'est le monde imaginal d'Henri Corbin, pour ceux qui connaissent, hein, puisqu'on a perdu la faculté extraordinaire de l'imagination créatrice, qui est aussi une imagination cognitive. En fait, l'imagination, c'est un instrument de connaissance. Ce n'est pas seulement un instrument de fantaisie, de création arbitraire. Et donc, on peut entrer, vous voyez, dans la vision de l'imagination intérieure, du cœur, justement, dont je parle. Mais voilà. Et j'ai un peu brossé le tableau, mais vos questions permettront de préciser des choses, j'espère, parce que je me doute bien qu'à travers tous ces propos, ce n'est pas toujours facile de se repérer. Ça, j'en conviens, je vous l'ai dit au début, ce n'est pas évident, il faut faire un peu d'imagination. Maintenant, on peut apprendre à préciser des choses si vous le souhaitez, à entrer un peu plus voilà, en accord avec on va dire, vos préoccupations aussi.
pourquoi pas, il n'y a pas de raison que ça ne se situe pas là aussi. Mais je vous remercie de votre attention. Si vous voulez que je revienne sur un point, vous n'hésitez pas aussi. Hein. Sûrement, dans les conférences, souvent on me dit « Ah, mais vous avez parlé d'un truc, je n'ai pas compris, revenez dessus. » N'hésitez pas, je suis là pour ça. Après, je répondrai à la question de bon cœur. Hein. Voilà. Merci de votre attention. Je vous invite à rester. Ben oui, c'est ça, hein. Nous, très dense. Donc on vous laisse boire d'abord. Vous merci. Réhydratez-vous. C'était intense. Moi j'ai une question par rapport au Graal. Oui. Donc, comment on le détermine en fait ce Graal? Tu dis, parce que j'ai vu, si j'ai bien compris d'après ce que tu as fait pour le thème, ce serait en fait le Ménorre. Si j'ai bien saisi, puisque moi tu me l'as mis à 26 degrés du Sagittaire, c'est là où est mon Ménorre. Le Graal est déterminé, c'est l'inverse à part de fortune. C'est techniquement l'inverse à part de fortune, c'est dans le procédé astrosophique. Ah bon? Voilà, que je révèle là, puisque la question est demandée. C'est l'inverse du part, c'est la part de fortune céleste. Voilà, il y a la part de fortune terrestre. Ah oui, d'accord. Et le Graal, c'est l'indication de la part de fortune céleste, puisqu'on va vers le céleste. Je me suis trompé, en fait, on démarre les portions, les 8 portions, à partir du nœud ascendant lunaire. Voilà. Voilà. D'accord, c'est là. Oui, ça, ça, c'est des détails techniques qui sont propres à l'astrosophie. Leur intérêt, on peut aussi changer là-dessus, évidemment. D'accord. Oui, l'origine inverse, est-ce que vous voulez bien revenir là-dessus? Parce que ce distinguo, principalement, vous avez collé les 8 sections. Oui. Et ça, c'est un héritage de la Perse ancienne, c'est-à-dire à l'époque zoroastrienne. Oui, exactement. Mais ça correspond à quoi? Alors, ça correspond à la vision gnostique des néoplatoniciens et des sages de la Perse antique qui se sont rencontrés et ils ont eu la vision à cette époque-là des 8 secteurs, des 8 régions par rapport à, si vous voulez, à une circulation d'énergie terrestre que ensuite la géomancie a repéré. Ça, c'est mon formateur qui m'a dit. Mais je vous avoue que je n'ai pas été faire des études de géomancie. Mais on comprend ça si on a fait de la géomancie. Ouais. Par contre, c'était dans la tradition zoroastrienne, comme on dit si bien, où on parlait de la ligne zoroastrienne, dont mon formateur est issu en plus. Parce que toute l'histoire de l'astrosophie, de la ligne astrosophie, c'est la chevalerie lumière. Et c'est la chevalerie lumière qui a émané, et donc de cette époque-là. Et à l'époque, le nombre 8 était toujours associé à la manifestation de la lumière. Awar Mazda, exact. Et donc ce que Sorabardi a transmis, il y a un peu qui a Henri Corvin, qui a été un peu le porte-parole, le pouvoir lourd à l'époque. Vous connaissez ça? Un petit peu, ah, c'est pour ça que ça m'intéresse. C'est magnifique, ça, ouais. Parce que la chevalerie lumière, effectivement. Ah, ouais. Et quand on parle, donc, de l'homme et son doux, de l'ange et son doux, selon la perspective qu'on adopte, on a à ce moment-là un recul qui permet d'observer des manifestations. Parce que vous disiez, ce sont les néo-platoniciens et les zoroastriens qui se sont rendus compte que leur vision convergeait et ils partageaient une vision commune. Ah oui. Oui, Henri Corbin en parle dans ses livres. Corps céleste et corps de résurrection, je ne sais plus quel ouvrage, avec l'Iran d'ailleurs, hein, c'est l'Iran, c'est la Perse évidemment, l'Iran Bej. Le nom de l'Iran, c'est Iran Bej. Et donc c'est la colline aux 8 secteurs, c'est la colline centrale du monde en huit côtés. Et pour la vision iranienne, la chair et la lumière, c'est typiquement la perfection terrestre, l'évolution humaine sur Terre. Et donc ils ont intégré ça dans le schéma d'évolution. Ah oui, c'est un truc de fou. Ah, si un jour vous relisez un... Là, vous avez envie de poser le sujet, là. Ah ouais, non, mais c'est magnifique, d'ailleurs, Henri Corbin, je suis content que vous parliez de ce monsieur, c'est magnifique. Mais à l'école pratique de vos études en sciences religieuses, à la Sorbonne, c'est ça. Vous savez, c'est la bibliothèque Henri Corbin, ouais. Parce qu'on a donné, puisqu'il a offert, en fait, sa propre bibliothèque. Et moi, j'ai pas tellement de connaissances en ce domaine, mais... sur le poisson-fille, évidemment, on évoque beaucoup. Ouais, 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 ouais.
Merci des lumières. Ah, je vous encourage. C'est très encourageant, justement, de voir l'interpénétration entre les différentes traditions. Mais bien sûr. Et chacune apporte sa pierre. Mais bien sûr. On s'est croisés tous, si vous saviez. Si vous saviez, des alchimistes, même taoïstes avec les néoplatoniciens. Voilà. Mais pas dans le mélange et la confusion, mais dans des choses vraiment bien distinctes, tout de même. Et c'est vrai que Henri Corbin, c'est un génie. C'est un philosophe spirituel qui a vraiment parlé de l'imaginal. L'imaginal, c'est quand même pas rien. Et il dit que l'Occident s'est perdu dans la division. Vous voyez, je vous explique ça en philosophie, c'est important en philosophie. Vous avez ce qu'on appelle les intelligibles. Le royaume des intelligibles. Les intelligibles, c'est des idées. Bon, moi j'écris mal, excusez-moi, c'est pour vous dire comme ça. C'est le domaine des idées. Archétypes et tout ça, que tu dis la psychologie. Attention. On est d'accord. Et vous avez le domaine du sensible, concret, et basique, comme tous les jours. Hein. Mais entre les deux, le gouffre, l'abîme dans lequel l'Occident est tombé. L'abîme. C'est-à-dire qu'entre les deux, c'est justement l'imaginal qui fait la remontée du concret à l'abstrait. Et la descente de l'abstrait concret. Qu'est-ce qui opère la descente et la montée, comme l'échelle de Jacob? C'est ce qu'on appelle le pouvoir de l'imagination, de l'imaginal. Vous voyez, c'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on a complètement annihilé la faculté de l'imagination, en la supposant être une fantaisie du mental et de l'intellect, pour sa récréation mentale, n'est-ce pas, parce qu'on a besoin de récréation, alors on fait chanter des petits oiseaux dans sa tête, et on croit que c'est l'imagination. Erreur funeste, parce que ça a entraîné la descente de l'Occident dans ce trou de l'abîme. Henri Corbin, lui, dans sa réflexion, je ne dis pas que je suis Henri Corbin, mais dans sa réflexion, dans son analyse, dans son exploration, il a remis en lumière le monde imaginal, de l'imagination éthérique, créatrice, qui provient du cœur. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Regardez cette idée-là, hein. C'est mis comme ça dans l'histoire. Et l'imaginal, eh ben on peut le faire travailler, l'imaginal. On peut faire travailler les semences imaginales en rapport avec le monde des idées, en rapport avec le monde concret. Ils se sont dit, mais tes trucs, c'est abstrait. Moi, j'ai besoin de concret, là, tous les jours. Je suis là, hein, je suis pas là, ou alors, explique-moi, rends-moi concret. Ben, t'as pas ton imaginal, ben, c'est quoi de son coup. Ben, t'essayes pas, non ben, essaye de voir, imagination. Ah, la folie du logis, là. Non, la folie du logis, ça, c'est les cartésiens qui ont dit la folie du logis. Hein. Tu lis Descartes, même Descartes n'a pas dit ça. Hein. Tu lis Spinoza, tu lis d'autres philosophes, ils n'ont jamais dit ça, jamais de la vie. Donc attention à ce qu'on te raconte. Hein. L'imagination créatrice, c'est le don, comment vous expliquez ça, le don du verbe à l'homme. Le don du verbe créateur à l'homme. C'est là que ça passe par là. Ça passe par là. Donc toutes les paroles qu'on dit, les Égyptiens, voyez bien ça, toutes les paroles qu'on dit ont un effet, un retentissement sur les éthers, voyez, sur l'air invisible, dans nos poumons, dans notre sang, dans nos atomes, les paroles qu'on dit. Oui, même quand on se parle à soi-même, qu'est-ce qui se passe quand on parle à soi-même? Où on est, vous comprenez, dans l'échelle. Donc je vais apprendre à mieux parler à moi-même quand même. C'est comme ça que peut-être que je parlerai mieux aux autres, parce que ça aussi. Il y a des paroles qui ont été mal entendues, ça existe des malentendus, on est d'accord. Hein. Il y a des paroles tueuses, il n'y a pas que le fusil qui tue. Hein. Donc des fois c'est une plus violente parole, hein, qu'un fusil. Ça peut dire, hein, c'est ce que je veux dire. Donc la parole, c'est le pouvoir de la pensée manifestée. Mais puiser aux sources d'imagination, ça vient de magie. Vous voyez, si moi je parle avec l'intellect, dans des explications rationnelles, ça peut être intéressant. Mais ça ne sera pas aussi bénéfique pour vous que si je parle à partir du cœur et que je passe l'énergie qui est avec. Voilà, moi je vais faire ma manière, parce que je suis comme ça, moi. Voilà, je vous dévoile un peu ma nature. Hein. Voilà, j'ai une nature feu, j'ai plus rien. Quelqu'un d'autre qui a une nature plus eau ou terre vous dirait les choses autrement, il n'y a pas de problème. Mais c'est pour dire que cette imagination créatrice, eh ben, elle a fait le lit de tout, si vous voulez, les avanies, de toutes les difficultés qu'on a. On finit par appeler les enfants une grande imagination. Et les parents croient que les enfants mentent.
C'est ça le pire. Les enfants vont voir les parents, ils leur disent « Ah ben tu sais, moi j'ai vu un truc, ah oui c'était magnifique, il y avait ci, il y avait ça, ah puis je l'ai encore en tête, et puis je... Ah, tu racontes des bêtises, tu ne veux rien dire. Ton père, il va encore être en colère. » Alors l'enfant, ça tombe. Vous voyez ? L'enfant a imaginé quelque chose qu'il croyait vrai. Il n'a pas menti. Mais les parents, en interprétant ça, ils croient que c'est un mensonge. Parce qu'ils n'ont plus la même capacité d'imagination que l'enfant. L'enfant qui joue avec ses personnages. Vous voyez ? L'imagination créatrice, c'est de jouer avec nous-mêmes aussi. Pour répondre à votre question. Oui, ouais, merci. C'est intéressant parce que quand vous montrez ce gouffre, en fait, entre le monde des idées et le monde sensible, c'est. Ça fait penser que ça. En Occident, quand on a évacué la métaphysique, qui était la base même de la philosophie, en fait, ouais. On s'est retrouvé avec ce vide. Et peut-être qu'un orientaliste tel que Henri Corbin a réussi à réintroduire cette métaphysique, parce que lui, il exposait, enfin, il présentait la Père Sensienne. Et. Voilà, sur le plan académique, il a réussi à remettre à l'honneur cette métaphysique qui avait été évacuée par le matérialisme, par le rationalisme. Et puis, vous disiez à propos de Descartes, il y a des tas de choses qu'on lui attribue, mais on lui fait passer pour un milieu savant, parfois parce que c'est ridicule. Et quand il parlait du siège de l'âme au niveau de la pinéa, il avait quand même mis une bonne. Tout à l'heure, vous évoquiez l'œil. Le Norus, tout ça, ça a été évacué. Ça. C'est à peu près les cartes. C'est ça. Oui, c'est la fameuse lumière. Ouais. D'autres lumières, mais la lumière. Ouais. Où est la solution pour l'Occident ? La solution pour l'Occident, c'est de réenchanter, comme disaient certains, réenchanter. On aime ça. Réenchanter le monde, réenchanter. Ce que fait Luc. Ce que fait Luc Pigé, voilà, pour ceux qui connaissent. Moi, je voudrais poser une question très basique. Vous faites des astrologies pour les personnes sur cette base-là ? Oui. C'est-à-dire que moi, l'astrologie que je pratique, c'est l'astrologie qui vous permet de reprendre l'héritage spirituel de votre âme. Oui, c'est ça. Tel que conçu. Je ne suis pas contre la manière d'envisager l'âme par les religions. On ne parle pas de ça chacun. Hein. Mais. Je vous redonne un peu les clés de votre, voilà, de votre âme. C'est pas en prétention, hein, je l'avoue, mais c'est comme ça que ça dit. Et ce qui est antérieur aux religions. Ce qui est antérieur aux religions. Ah oui. Les religions, c'est. Il y a toujours une part exotérique et ésotérique, si vous voulez, par mystique. Par mystique, c'est donné par les âmes. Et vous avez une carte ? Oui, j'ai prévu de la donner. Pour ceux qui sont intéressés, parce que je peux, pour bien voir de quoi on parle, parce que ça un peu, je comprends que ça soit un peu abstrait, je l'ai dit, mais moi je peux, quand vous m'envoyez, si vous souhaitez recevoir un exemplaire de votre amour solaire, même si vous ne commandez pas tout le thème, pour vous faire une idée quand même de ce qu'on parle, c'est normal, moi je, de bon gré, je vous fais part. Tiens, votre amour solaire, c'est peut-être le Quetzalcoatl, voilà, du Maya, vous allez pouvoir vous familiariser avec, et vous allez voir que ça vous correspond bien sur le plan communion intérieure. Et voilà, donc ça, je suis prêt à le faire, pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Hein, donc, après, je développe le thème. Excusez-moi, c'est le ciel de naissance. Oui. Oui. Okay. Et vous prenez combien ? Alors, parce que vous êtes venu ici du fait de votre venue ici, c'est 80 euros. Le thème complet, c'est un dossier. Il y a 10 feux amour, le point grave, les explications et l'accompagnement que je fais. Voilà. Mais vous pouvez commencer à vous familiariser. Moi, je vous envoie, vous pouvez payer en deux fois, moi je ne fais pas une question d'argent. Payer en deux fois, je m'en fous. Mais je vous donne cette possibilité de voir un feu amour, voilà, que je vous donne de naissance et tout le corps. Pour moi, ce n'est pas un problème. Même si après, vous n'avez pas de suite. C'est vous. Hein. Alors, quand vous parlez d'un suivi, suite au dossier que vous faites, c'est-à-dire
on reçoit de l'aimant, oui. Et ensuite on peut vous appeler pour avoir la captation comme une radio. Exactement, exactement. Je fais l'accompagnement de bon gré, même si vous êtes convaincu de revenir, je suis toujours là. Pour moi, c'est ma joie. Et alors, je pars. Hein. Vous arrivez de quelle région, monsieur? Ah, je viens de l'Est, de la France. Et là, vous êtes en Belgique? Non, j'habite Perpignan. Ah, ok. Ça fait 7 ans que j'habite Perpignan. Là, j'appelle Rodolphe Meyer, je ne me suis pas présenté. Je m'excuse. Rodolphe Meyer, excusez-moi. Hein. Ah oui, c'est un nom de l'Est. C'est grand. Dans mon élan, là. Donc, Rodolphe Meyer, et puis là, je reste Rodolphe, depuis 23 ans. J'ai eu la chance de rencontrer Claude Zubarba à Paris. Voilà, qui lui a fait des grandes recherches aussi, et qui m'a permis de transmettre cette astrosophie, voilà, qui est inédite, puisque bon, il y a astrosophie, François Brousse, philosophe perpignanais, en parlait, très bien d'ailleurs, hein. Mais bon, c'est peu connu, prenez, c'est peu connu. Est-ce que c'est édité? Et non, il y a encore, non, c'est pas édité pour le moment. Il n'y a rien de... Moi, j'ai des cours, j'ai la transmission à faire par rapport à chacun. Et je me cantonne pour l'instant à cette chose-là, les conférences, si vous voulez. J'ai un petit fascicule que Sibé a sur la flamme bleue et ce qu'on appelle l'astrosophie. Actuellement, je peux le prêter. Mais voilà. Et oui, c'est assez... comment vous dirais-je? Ça n'a pas encore pris son ampleur. Parce que c'est pas évident à faire passer. C'est pas évident à faire passer entre la confusion, le channeling, le spiritisme. Vous voyez, ça n'oublie pas ça. Ça oublie autre chose. Et bon, même moi, vous l'expliquez, vous voyez, j'ai une difficulté. Donc voilà. Mais c'est très intéressant. Voilà. De plus, c'est François Brousse qui vous a fait descendre à la piscine. En partie, c'est pas faux. En partie, c'est pas faux. C'est là que vous l'avez rencontré? Ouais, non, je ne l'ai pas rencontré. En 1995, il est décédé. Et puis moi, j'ai rencontré le groupe François Brousse, qui a fait une manifestation au centre culturel espagnol-catalan, je ne sais plus. C'est magnifique. Un grand poème. Merci. Oui. Attention. Voilà. Merci d'avoir participé. Il n'y a pas de problème, merci. Voilà. On peut continuer la discussion, mais je vous propose, si vous voulez, il y a de la menthe fraîche, ou de la menthe fraîche, un peu tiède. Comme vous voulez. C'est qu'à deux minutes.